Les images que vous êtes en train de visionner ont été tournées le 29 avril 2021. C'était la première fois que j'installais cette monte de pneus de la marque allemande Eidno sur mon Himalayan. Le lendemain matin, le 30 avril, je partais dans les Cévennes accompagné de Benjamin, Maurice et Michel. Alors si vous avez vu le film qui en découle, Voyage pour Épicurien, vous aurez noté qu'il a plu très fort toute la journée, soit près de 400 km sous des trompes d'eau. Quoi de mieux, me direz-vous, pour tester de nouveaux pneus? Durant ce trajet infernal, je n'ai pas eu la moindre amorce de glissade, et je vous rappelle que les pneus étaient neufs, et pour votre info, nous n'avons pas emprunté l'autoroute, non, trop facile, uniquement des petites routes. Et oui, c'est mieux quand on complique un peu l'histoire. Aujourd'hui, 12 février 2022, le pneu avant compte quasiment 14 000 km et le pneu arrière, déjà remplacé une fois, en compte pas loin de 7 000. Je pense pouvoir faire encore près de 2 000 km avec ce train. Question usure, le score est donc très honorable, sachant que je suis souvent chargé et parfois en duo. Le comportement routier est excellent, le grip est très bon et autorise sans risque de faire frotter béquilles et repose-pieds. Ça, c'est quand vous êtes énervé. Sur la piste, même constat, le train de pneus est efficace, offrant un guidage dans la bonne moyenne. En plus de cela, il est très costaud. Je n'ai pas à relever la moindre coupure sur les pneus. Son seul défaut, selon moi, il est un peu bruyant selon le revêtement. Normal, me direz-vous, c'est un pneu mixte, 50-50, mais finalement rien de rédhibitoire. Le coût de la monte, 179,73, ça c'est le prix que je viens de payer car je viens de me recommander une paire. Je vous donne ces infos à titre informatif, je n'ai aucun partenariat d'aucune sorte avec le manufacturier, ni avec Pneu Online. Cette info peut intéresser évidemment les possesseurs d'Himalayan, mais aussi pour d'autres machines. Mon ami Olivier utilise ses pneus sur sa R100GS, donc c'est très large. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Alors à bientôt les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut, ciao. Ma brave Himalayan, deuxième du nom, a franchi la barre des 30 000 km. En 18 mois, elle a déjà bien vécu. Ma courageuse Himalayan, ma bête de somme vieillit bien. Et j'en suis heureux. Au départ, je l'avoue, je ne lui trouvais aucun charme. À présent, elle me plaît bien. c'est vraiment une sacrée moto, toujours prête à m'accompagner pour vous raconter des histoires.